Après la sortie du film Writers, on a organisé un tour, donc la tournée Writers. C'était une tournée dans toute la France. C'était en fait un moyen de communiquer autour du film et le faire connaître au grand public. L'idée, c'était à travers cette tournée de faire se succéder dans une journée sur chaque ville, un jam l'après-midi, suivi d'une conférence, projection du film en fin de journée dans certaines villes. Et ensuite, on terminait avec une soirée Writers dans chaque ville où on passait. On a commencé la tournée par Lyon, ensuite on a été à Marseille, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Rennes, et on a terminé la tournée à Paris. L'idée en fait c'était de réunir une équipe de peintres assez prestigieuse, des personnages reconnus dans le milieu du graffiti, des personnes comme Jay, Lokis, Moz, Lex, Sari, Echo, Delight, Remo, plus des peintres qu'on a contactés dans chaque ville, des personnes reconnues pour leur travail aussi dans les villes où on passait. Selon les villes, il y a eu différents types de jams. Donc sur certaines dates, on s'est déplacé avec des panneaux de bois parce qu'on voulait aussi archiver le travail qui était fait. C'est-à-dire que souvent dans les jams, des murs sont peints et puis après c'est soit repassé, soit effacé, il n'y a pas de traces. On ne peut pas garder le travail qui a été fait. Et comme là, c'était vraiment une belle équipe de peintres qui était réunie, on a eu l'envie de conserver une partie du travail qui allait être produit. En même temps que cette équipe de peintres qu'on a déplacée, qui était le propre de la tournée, qu'on a réuni une équipe de DJ pour animer les soirées dans les villes où on passait le soir. De nouveau et de vraiment intéressant de pouvoir mettre en rapport ces peintres de générations différentes et de styles différents. Et je pense que ça représentait assez bien tout ce qui peut se faire dans le graffiti aujourd'hui. Petit big up. Ouais, c'est bien parce qu'on peut se rencontrer entre peintres et puis voyager à travers nos peintures, rencontrer d'autres horizons et gagner un max de blé.